Alors, la Société de transport de Laval, c'est un service de transport actif et collectif pour l'ensemble des Lavallois. On a évidemment une multitude de lignes d'autobus qui dessert l'ensemble du territoire. Et on a également tout un système d'information à la clientèle en temps réel pour guider les gens dans leurs déplacements. C'est 800 employés. C'est une multitude de spécialistes dans différents domaines, que ce soit la comptabilité, la mécanique, les gens de planification, et ainsi de suite. Alors, on accorde une importance à la formation continue, notamment ici à la direction communication marketing, pour nous garder à jour, pour pouvoir être de plus en plus efficace dans nos façons de travailler, de connaître les dernières façons de faire. Je recommande en fait aux entreprises de faire de la formation continue à l'ensemble des employés parce que la vie évolue, les techniques changent. La formation continue de l'UQAM propose deux types de formations. Des formations publiques, inscrites au calendrier, et des formations sur mesure offertes en entreprise, selon les besoins spécifiques du milieu du travail, qu'on pense à la petite entreprise, à la moyenne entreprise ou à la grande entreprise, ou encore aux organismes publics et parapublics. On pense aux organisations de tous les secteurs d'activité, manufacturiers, industriels, technologiques, scientifiques. Les gens font appel à la formation continue parce que les conseillères connaissent très bien les champs d'expertise des professeurs et des chargés de cours. Ces professeurs ont fait appel à eux, bien sûr, pour leur grande rigueur professionnelle et intellectuelle, mais aussi pour leur grande connaissance du marché qui est en constante évolution. Des cours de langue sont aussi offerts, en privé, semi-privé ou en cours de groupe. Ces cours sont donnés dans les salles de formation de l'UQAM. La formation continue de l'UQAM relève du service de formation universitaire en région et offre à son campus de Laval des programmes crédités.